Alors voici le plus jeune compétiteur, jeune meneur de chevaux à travers le Québec, Mathieu Turgeon avec Nissan et Nick. À la place d'Alfinger. Alfinger sont des chevaux qui sont originaires du Tyrol. Ils sont été nommés comme ça aussi en raison du village où ils ont été découverts. C'est un cheval aussi qui a des souches italiennes. Et on l'appelle aussi le petit belge. Attention, c'est parti pour Mathieu. Il prend un excellent départ. Mathieu Turgeon avec Nissan Unique. Attelage de Alfinger, donc, dans le premier passage de borne. Je vous rappelle que si une balle tombe, on perd 5 secondes de pénalité. Donc, on ajoute 5 secondes. On ne perd pas, plutôt, on ajoute 5 secondes au temps final. Ça va bien ici, on réussit à garder une régularité dans l'allure, ce qui est très important. Les chevaux travaillent bien ici. On a sûrement travaillé fort à l'entraînement. Et on va voir le passage ici qui demande plus d'habilité. Alors ici, on a corrigé donc le parcours pour l'occasion. Là, c'était reprendre la porte. Il y aura peut-être danger de faute de parcours. Est-ce qu'on va réussir à revenir, à repasser? Oui, là, c'est réussi. Et voilà, on revient. Là. On a varié le parcours ici. Mais ça nous coûtera de précieuses secondes. Mathieu qui dirige bien l'attelage d'Alfinger. Alfinger qui a été nommé Aflin en Italie. C'est un petit cheval de sel à la taille de 1m37 à 1m49 au garrot. C'est un cheval qui pèse environ 415 kg, environ 1000 livres. Dernière portion donc du parcours, la porte 9. Le même coefficient de difficulté que la C. Donc, il faut revenir bien à l'intérieur, bien contrôler son attelage pour réeffectuer le passage entre les portes et poursuivre le parcours. Et je rappelais, hein, je rappelle à la vision des chevaux, là, on a un exemple. Là. On voit que les chevaux, oups, aiment moins ce qu'ils voient. Ça les dérange, hein? Alors, je rappelle donc que c'est en raison, bien sûr, de leur vue et qu'il faut aussi y avoir déjà goûté, disons, pour savoir à quoi on s'attend au niveau des chevaux. Alors ici, on vient de tomber notre compte. Top chrono. On l'applaudit, mesdames, messieurs. Mathieu Turgeon avec les Saint-Élec. Belle participation, 2-11-15 ici, plus 2 pénalités, donc 10 secondes, 2-21-15, 2-21-15. N'oubliez pas, hein, au grand froid, ça ouvre l'appétit. Souper 18h30 à l'intérieur du Club Aramis. Les billets sont en vente au coût de 20$ plus la soirée. Je vais participer à une excellente soirée ici au Club Aramis avec un bon repas à compter de 18h30 et billets en vente au coût de 20$.